En plus, j'ai mis... Oh bah non, mais mon client, il s'est fait écraser. Vous avez écrasé mon client. Oh, et mon client... Eh, oh, 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 ça... Ça va partir en couille. Ça va partir en couille. Eh, eh, monsieur le client, là, stop. Voilà, amigo, comment est-ce aujourd'hui? Je suis Taxi, comment ça va les amis? On se retrouve aujourd'hui sur GTA 5 pour une nouvelle vidéo avec le G27, vous me l'avez demandé. C'est parti, vidéo chauffeur de taxi et regardez, regardez, regardez. Là, le petit véhicule que j'ai installé, alors il est un petit peu bugué malheureusement, il est quand même un petit peu bugué, mais voilà, c'est le véhicule de taxi, je ne sais pas le combien, j'ai aucune ref en fait, vraiment taxi, j'ai dû regarder taxi 3 ou taxi 4, mais vraiment j'ai aucune ref, je ne sais absolument pas, voilà, j'étais petit quand j'avais regardé un des films, donc voilà les amis, aujourd'hui on est chauffeur de taxi, qu'est-ce qu'il y a, des questions, d'ailleurs c'est la première fois que je vais rouler avec le G27 sur ce véhicule, ça a l'air de fonctionner, donc les gars c'est assez incroyable. Juste vérifier l'intérieur, ouais l'intérieur il est bugué malheureusement, donc on va rouler à la deuxième personne. Je vais couper la musique parce que ça va 2 minutes. Et du coup les amis, on est parti pour faire des petites missions de taxi. Un peu comme dans le film Taxi, on va vraiment y aller à fond les ballons, enfin en tout cas on va essayer. Alors vas-y, régale-moi mon pote, ok il faut faire demi-tour. Alors là les gars, regardez, ouais, on va faire un dérapage. Ouais c'était ridicule hein. C'était ridicule, donc on va y aller les amis, j'espère que la vidéo va vous plaire. Si vous voulez que j'en refasse d'autres, et eh ben j'en referai d'autres. Évidemment c'est pas tous les jours que je referai ce genre de vidéo, c'est totalement normal. Vous voyez les feux et tout, ils sont buggés, regardez les feux ils sont bleus. Enfin vraiment c'est buggé, il y a tout, toutes les textures sont malheureusement un petit peu buggées. Allez on y va, on fait un demi-tour du turfu. Ah j'essaie de faire des dérapages mais la voiture n'a pas trop envie d'en faire. Donc tranquille, attendez on va essayer de faire un dérapage là. Attention. Oh. Oh! Eh! Hein, je pense que ça mérite un petit pouce bleu en ce début de vidéo, hein, tout de même. Bon, j'espère que vous allez bien, les amis. Franchement, j'allais dire il fait beau, il fait chaud parce que je suis en débardeur et qu'il fait beau sur le jeu. Mais c'est vrai qu'actuellement, quand je fais cette vidéo, il y a de l'orage. Enfin, non. Mais je veux dire, le ciel est couvert et il risque d'y avoir de l'orage au moment où je fais cette vidéo. Voilà. Donc non, il fait pas beau, il fait pas chaud. Donc là, on respecte rien. On respecte pas le code de la route, vous l'aurez compris. On est là pour faire chauffeur et taxi. On va faire un petit slalom. Tac, tranquille, ça va. C'est pas non plus très. Très voilà. Vous avez le nombre de kilomètres-heure évidemment en bas. Vous le voyez. 150 km/h, mais l'autre, il me casse tout. Wow! Wow! Ça pète, ça pète! Franchement, un peu cher, c'est pas trop mal. Alors, les amis. Ok, le but, c'est de pas casser la voiture, de pas tuer ma cliente et de pas casser les poteaux, évidemment. Hein. On va essayer d'être RP. Donc, pas trop prendre les trottoirs. Mais. Voilà, ne rien respecter en restant RP quoi. Ouais du coup j'ai voulu l'anticiper mais je pensais que ça passerait. Oh je suis dégoûté. C'est pas grave, on va terminer la course comme ça. J'ai téléchargé, j'ai installé un mode exprès pour le taxi. Mais en fait ça fait bugger le jeu. Voilà donc malheureusement on réessayera quand même après si jamais. En gros ça permet d'avoir des missions un petit peu plus variées. Parce que là vous voyez c'est les missions de base. Mais bon c'est tout aussi sympa, voilà c'est juste une petite vidéo délire. À la cool, tranquillou pilou. Et vous savez quoi, à la fin de cette course on va réparer la voiture et on va lui ajouter du boost de vitesse, ça va être incroyable. Vraiment, on va faire un 0 à 100 en une seconde, genre même Tesla n'a jamais fait aussi bien, vous allez voir. Allez petit demi-tour. Ouais, je tente des trucs un petit peu, voilà vous êtes arrivé madame. Ok voilà j'ai un petit pourboire, en plus j'ai écrasé en prime, c'est incroyable. Donc on va réparer véhicule option fixe véhicule. Et on va aller ici dans Engine Power Multiplayer. On va multiplier à 60. Et pareil pour le Torque Multiplayer. On va multiplier. Et là, normalement, si j'accélère. Ah là, eh. Il y a une plus grosse patate. Le seul problème, c'est que les freins ne suivent pas. Ce qu'on va faire, regardez. Parce que je suis un petit fifou. On va encore augmenter. 1, 2, 3. Et on va encore augmenter ici. 1, 2, 3. Alors, faut faire gaffe parce que l'adhérence va être différente. Hein. Voilà on peut pas changer le frein malheureusement. Donc ça va être la galère. Allez on prend une nouvelle mission. Attendez on va changer un peu la couleur du véhicule si c'est possible les gars. On va se faire des petits plaisirs. Véhicule couleur menu. Comme ça ça fera peut-être moins bugger. Ah en blanc comme ça là. Et ben voilà. Bon elle est pas spécialement belle. Allez on va se prendre une autre couleur. En fait j'aimerais bien une blanche mais une bien belle. Là c'est moche quoi. Faudrait que je mette ouais bah métallique. Ah, quelque chose comme ça. Ça me plaît un petit peu mieux. Ouais, je sais plus. Bah, normalement, elles sont blanches, on est d'accord. Elles sont blanches. Taxi Marseille. Eh, vas-y, tu sais quoi, on va la mettre en jaune comme ça. Au moins, c'est original. Allez, on se prend une mission. Et là, ça va péter sa mère. Hein. Ça va péter sa mère. Et on va monter crescendo la puissance du véhicule, d'accord.
Ok, c'est là-bas. J'accélère. Donc déjà, les gars, j'ai perdu l'adhérence. Hein. J'ai à peine appuyé sur la pédale. Ah, en fait, je perds l'adhérence parce que vous entendez, en fait, regardez les roues arrière. Regardez bien. Voilà, je suis en train de faire crisser les pneus comme jamais, quoi. Allez, bonjour, monsieur. Rendez-vous en enfer. Hein. C'est un aller simple pour l'enfer. Allez. Ok, ça commence déjà très mal. L'autre qui me coupe la route. Là, ça va déraper tout seul. Hein. Là, ça... En fait, je fais un peu gaffe avec ma pédale parce que vraiment... Oh, la puissance du bordel, quoi. Waouh, est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Oh, bien sûr, ça passe. Bien sûr, ça passe. 200 km/h. Oh, je vais me calmer. Et c'est une perte du contrôle total. On a même fait peur au motard. Le motard qui roule... qui roule mieux que moi, quand même. Je suis désolé. C'est assez compliqué. Waouh, il ressemble plus à rien. Oh, la bagnole, elle ressemble plus à rien. Exceptionnel. Allez, le motard, il dégage. Ah bah ouais, mais non, mais mec, je voulais même pas l'écraser. C'est trop compliqué avec la puissance aussi forte. Mais je m'en fous, on va quand même monter après crescendo. Ah ouais, en fait, je vous jure, c'est n'importe quoi. Genre, la puissance du véhicule, tu perds tout contrôle, en fait. Genre, je dérape constamment. Je pense que vous imaginez peut-être pas le truc, mais vraiment, je dérape constamment. Si je lâche pas l'accélérateur, en fait. Du coup, dans les virages, j'essaye un peu d'accélérer. Enfin, de lâcher l'accélérateur. Ok. Gauche, gauche. Droite. La voiture ressemble plus à rien, mais je commence à la maîtriser un petit peu. Par contre, quand ça va vite, c'est vrai, je perds assez vite le contrôle. Ouais, je voulais pas prendre le trottoir, je voulais faire sa RP, malheureusement. De toute façon, elle ressemble plus à rien, la bagnole. Ok. Oh. C'est bon, on n'a pas tapé le poteau. Ah bah ouais, mais je me suis fait prendre en sandwich, je voulais passer entre les deux. Ah, c'est pas marrant, ça. Hein. Ok. Allez, on y va tranquille. Pilote de Formule 1, les gars. Enfin, on y va tranquille. Ça dérape. Ah, putain. Ah, je suis désolé, là, je vous déçois, là. Ah, là, je le sais, je vous déçois, là. Oh, stop, les gars. Stop, les gars. Ah, bah, en plus, on va près de chez Franklin, tiens. Donc, près de chez nous, quoi. Vas-y, je sais pas si c'est une bonne idée, après, d'augmenter la puissance. D'ailleurs, vous voyez, hein. Ça sert à rien que je vous le dise, mais vous voyez en bas à gauche, vous voyez le volant qui tourne, et vous voyez la jauge verte, en fait, c'est mon accélérateur, en fait, c'est ma pédale d'accélérateur, et le rouge, hop, voilà, c'est le frein. Comme ça, vous voyez ce que je fais avec mes pieds. Pour vous donner une idée, à chaque fois que j'accélère, ça dérape, quoi. Regardez. Bon, ça se remarque peut-être pas trop. On est arrivé, il va peut-être pas me payer à tous les coups. Ah, c'est bon, il m'a payé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va de nouveau réparer le véhicule, on va lui rechanger la couleur, et on va encore augmenter la puissance, ce qui est une très mauvaise idée. C'est une très 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 mauvaise idée. Alors, ce qu'on va faire, véhicule color. Ouais, non mais... On va lui mettre un blanc, quoi. Hein. Ouais, tu vas te calmer, toi, tu vas te détendre. On va lui mettre un petit blanc. Oh. C'est très laid. Ah bah voilà, un truc... Quelque chose comme ça, un peu. Ça, c'est pas mal. Oui, du coup, on va lui augmenter la puissance. Attendez. Voilà. Hop. J'ai peut-être un peu abusé. Hein. Hop. Là, regardez, je vais accélérer à fond. Je suis tout le temps en train de déraper. C'est excellent. Excellent. Évidemment, ça va être derrière moi. Ah, c'était sûr. Ok, on va faire un demi-tour, les gars. Vous allez vous en rappeler toute votre vie. Hein. Ah ouais, mais le problème, c'est que là, ils sont en train de me... Mais ils sont trop cons. Oh là là. Ok, on va éviter de casser la voiture. Au moins avant d'arriver. Ah putain, mais vous êtes des tocards. Et femme au volant, égale. J'ai rien dit, d'accord. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'était une blague, hein. Vous avez vu comment je roule. Oh là là, c'est incroyable. Oh là là, cette sensation de mourir. Oh, ça passe. Bien joué à moi. Ah merde. Pardon. Bah excuse-moi. Oh non, je l'ai zappé. Ah bah non. Mais quelle connasse. J'allais revenir. Bon, c'est pas grave, elle a eu raison. Elle a eu un mauvais feeling en me voyant arriver. Évidemment, ça va être derrière moi. Ah, c'est bon. Ah, c'est 1 km. Ah, déjà, le temps d'arriver, la voiture, elle va être morte. Avant même d'arriver chez mon client, la voiture, elle va être morte. Allez, c'est parti. Ah mais non, mais j'avais pas vu la voiture en face. Ok. Maintenant... Ok, c'est parti, on y va, les gars. C'est du grand délire.
C'est du grand délire. Attendez. Ok, c'est parti. Elle dérape beaucoup trop. En fait, elle tourne plus en fait. Genre vraiment, sans abuser, elle tourne presque pas. Allez, on vient de faire une Paul Walker. Bon les gars, c'est pas possible. Donc ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va désactiver la double puissance. Du coup, ce qu'on a fait là, ce qu'on a abusé, je vais réparer le véhicule. Et on va repartir et vous allez voir la différence, c'est que ça va être beaucoup plus jouable en fait. Ah bah déjà, elle accélère plus. Voilà, vous voyez la différence? Et là j'ai la pédale à fond quoi. Elle accélère pas hein. C'est impressionnant. Donc c'est quand même un petit peu plus jouable. Dès qu'on va prendre la cliente, on augmentera la puissance parce que c'est toujours drôle. Mais voilà, au moins vous voyez vraiment la différence entre là. Genre vraiment on roule tranquille quoi, je peine à atteindre des 100 km/h. Puis alors par contre quand tu augmentes la puissance, tu te retrouves à plein balle assez rapidement quoi. Attends, j'essaie un peu de la draguer là en faisant des drifts. Merde. Allez, venez ma petite dame. Venez avec moi. Yeah, let's go. Eh ben écoutez. Attends mon pote. Voilà, je viens de réactiver la puissance maximale. Tu vas kiffer, madame. Regardez, tu vas kiffer. Ça tourne pas. C'est excellent, quoi. Ça ne tourne absolument pas. Ouais, là, je suis un peu de la merde. Là, je suis bien d'accord. Allez. Elle me déteste. Je vous le dis, elle me déteste. Allez, on y va. C'était pas moi. On est parti. C'est infâme. Allez, on va doubler. Voilà, c'est une fusée le truc. C'est une Tesla. Ah non. Ah non. Ah, j'emporte tout avec moi. Ah, je me... Ah, vas-y. Ouais. Adieu. Oh my god. Je fais n'importe quoi. Elle est décédée, hein. Mais on va quand même l'emmener. On va quand même l'emmener à destination. Oh, en plus, là, dans ces ruelles, ça va être trop la merde. Du coup, je fais gaffe. Ah, bah non, mais ça tourne plus, gros. J'ai plus aucune adhérence. Bah, je pense que là, la voiture est dans un bel état. Donc là, je vais laisser tourner la voiture en fait. Genre, je vais arrêter d'accélérer parce que c'est juste pas possible. Je peux pas m'empêcher d'accélérer, c'est tellement drôle quand ça dérape. Allez, vas-y. Oh là là. Ouais, oh, la mort nulle. Genre, je suis même pas mort de m'être fait éjecter. Je suis mort en me cognant au poteau après. Oh merde. Oh mais merde, la mort nulle. Oh la mort nulle. Attends, vas-y, c'est pas grave. Bon, tout le monde est mort dans l'histoire, donc c'est un peu grave, mais... On va faire une dernière, les gars. Vas-y, je refais spawn. Spawn, taxi, hop, tac. En plus, il est jaune. Magnifique. On va le prendre. Taxi Marseille. Bem bem. Évidemment, puissance maximale, encore une fois. On demande une mission. Allô? Ah, pourquoi il me... Ah, il me demande pas de mission? Eh bah, tu sais quoi? Je vais utiliser le mode, alors. Vas-y, ça marche ou pas? Il marche même pas le mode. Ah si, j'ai trouvé. Voilà, mais à mon avis ça va faire planter le jeu. Donc c'est le mode que j'ai téléchargé, genre Better Taxi, un truc comme ça. Alors il faut que je fasse demi-tour. Attends, parce que c'est un peu chiant là. Voilà. J'arrive monsieur, vous inquiétez pas, je suis là. Je suis presque là. Voilà. Et là, du coup, genre, c'est super bien fait parce que tu vas le voir arriver. Voilà, il est là, le monsieur. Ah, merde. Ah non, j'ai voulu enlever le clignotant et ça m'a annulé le machin. Ouais. Bah, il faut que je cherche mon nouveau client, du coup. Putain. J'ai abandonné. Bon, les amis, je promets pas qu'on y arrive parce qu'à mon avis, la mission va planter, comme dit, avec le mode. Là, je sais pas, ça bug. Mais du coup, voilà, on essaye. Allez, ça dégage. Oh là là, je suis chaud. Oh là là. Oh là. Bah oui, mais quand tu me vois arriver dans ton rétro, tu te décales. Tu fais un effort.
Ah là là, les dangers publics, hein, je vous jure. Allez, monsieur. Ah bah oui, mais moi, je cherche mon client. Vous inquiétez pas, monsieur. Hein. Il est où? Il est là, il arrive. Attendez, je répare mon véhicule. Voilà, vous avez rien vu. En plus, j'ai mis... Oh bah non, mais mon client, il s'est fait écraser. Vous avez écrasé mon client. Oh, et mon client... Eh, oh, 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 ça va partir en couille. Ça va partir en couille. Eh, hey, hey, monsieur le client là, stop. Eh, hey, police. Tu sais, je reviens en LSPD. Arrête. Allez, et vous avez écrasé mon client là. Ça dégage. Et toi à l'arrière. Bah toi tu te démerdes, toi t'es gentil. Allez, bon maintenant j'ai les flics au cul. Est-ce que je peux quand même faire une mission taxi? Ce serait vachement drôle. Je peux pas. Putain, je peux plus faire de mission taxi. Faut que j'échappe aux flics. Faut que j'échappe aux flics, les gars. Eh ben les gars, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. On va essayer d'échapper aux flics, les amis, avec une voiture super puissante et donc incontrôlable. Ça passe, ça passe. Moi, je suis un pilote. Eh les gars. Allez. À fond les ballons. C'est n'importe quoi. Ça n'a aucun putain de sens. En fait, genre vraiment, tu perds le contrôle tout le temps. Allez, je vais aller à gauche. Eh, attendez les gars, c'est pas ici qu'il y a une mission au début du jeu, je m'en rappelle. Pardon madame, il fallait pas rester là. Vous me voyez arriver quand même, hein. Eh, toi aussi, t'es conne. Allez. Ok, il y a des flics là, je vais aller à gauche. Eh, on dégage là, c'est pas une piste pour courir, c'est pour les véhicules avec des roues, hein. Pour les vélos, hein. Et bah voilà, j'ai plus les flics. Impeccable. Bah les gars, on va écraser plein de gens maintenant. Ouais ouais, t'as ma plaque. Je suis matriculé taxi Marseille, donc qu'est-ce que tu veux? Non, t'as pas ma plaque, gros. Regarde. Qu'est-ce que tu veux faire? Regarde, qu'est-ce que tu veux faire sous la voiture avec la plaque? Hein? Elle va faire quoi? Bah tu vas rien faire du tout. C'est moi qui décide, ok? Bon les gars, je suis désolé pour cette scène incroyable. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Si c'est le cas, bah, je vous invite à mettre votre petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Si vous voulez d'autres vidéos dans le genre, bah, n'hésitez pas à me proposer en commentaire, les gars. Hein, je m'adapte, je fais, ça fait plaisir. Je trouve que c'est plus simple de rouler sur la plage. C'est fou, hein. Oh là là, c'est incroyable. Et vraiment, je me sens bien là. Ah là, je suis dans mon territoire. Dérapage. Incroyable. Et hop, dans l'eau. Et hop, on ressort. Allez, on se quitte ici, les amis. C'était Mkolo. Rendez-vous pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.